me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment une idée concrète de ce qu'est la marchande. Et il y a par exemple ma grand-mère qui m'a dit « Ah, tu t'engages à marine marchande, ne me reviens pas tatoué avec une bouteille de rhum à la main. » Une phrase de Platone, il dit « Nel mondo ci sono i vivi, i morti et i marinai. » If you don't love the sea, don't sail. Stay home, do something else. Sono pagato per fare la cosa che mi piace di più al mondo. C'est un job génial. Pour moi, c'est le plus beau métier au monde. Et mi piace dire che sono la donna di un marinaio. C'est un copain un jour qui m'a raconté un de ses stages embarqués à bord d'un porte-conteneur dans le cadre de ses études. Et donc il m'a raconté ce stage et ça m'a totalement fasciné, totalement plu, ce travail et tout, voyager, les escales, passer les canaux et tout. J'avais passé mon bac S et c'est exactement ce qu'il fallait pour entrer dans l'école de marine marchande. C'est un métier déjà bon, qui rapporte beaucoup au niveau argent, ouais, donc déjà ça c'est un bon point. Et en plus, ça permet de voyager, découvrir des pays, traverser des tempêtes aussi, plein de choses comme ça qui sortent un peu du commun, du travail habituel. Je pense que quand je serai rendu à la passerelle au commandement d'un très gros bateau, d'un des plus gros bateaux du monde, quand je donnerai l'ordre de larguer les amarres, je pense que j'aurai atteint mon objectif et réalisé un de mes plus grands rêves, devenir capitaine de la marine marchande. Oui, on y va. Bien sûr qu'on se souvient de la première fois qu'on a donné l'ordre de départ. Vous avez reçu devant derrière, vous larguez tout. C'est un moment où on se retrouve tout seul, au fait. Et donc, on se dit, bon, il faut franchir le pas et puis il faut assumer. On mesure peut-être pas trop les responsabilités. Je pense que le bord sera indifférent, là. Quand j'étais gamin, j'ai passé pas mal d'années au bord de l'eau et je voyais les bateaux passer, je voyais des bateaux mouillés. Et avec la marée, ils changeaient de cap au mouillage et ça m'avait toujours intrigué, je voulais savoir ce qui se passait. Et l'occasion s'est présentée pour faire des études et je me suis engagé depuis 30 ans. Bon, terminé derrière, devant le Bosco seulement. Zéro la barre. La barre est à zéro. Avant très lente. J'ai commencé par naviguer sur la côte d'Afrique où il y avait énormément d'escales. Et puis ensuite, j'ai fait les ferries du Nord et là, il y avait énormément de manœuvres. Et les commandants m'ont beaucoup intéressé à la manœuvre quand j'étais second capitaine. Et ça m'a donné le goût de la manœuvre. Et c'est pour ça que je suis venu naturellement au pilotage, par goût de ce stress. À droite 20. À droite 20. La barre 20 à droite. Quand les navires font destination sur Panama, le Brésil, toutes ces belles destinations qui font encore rêver, oui, là, on a toujours ce petit regret. On aimerait bien rester encore à bord une dizaine de jours pour suivre le commandant. Ce qui est fascinant, c'est que quand on arrive dans ce métier, c'est donc de découvrir le milieu, de découvrir aussi le milieu marin, la mer. Et puis, on ne s'en lasse pas, même sur des bateaux aussi grands que celui-ci, des bateaux qui marchent très très vite. On prend aussi le temps de regarder la mer, parce que la mer, elle est changeante. Vous passez au même endroit, c'est jamais la même couleur, c'est jamais le même environnement. C'est ça ce qui est fascinant dans la mer. Le commandant, c'est... donc il est chef d'expédition. On s'en nomme également le vieux ou le pacha. Il est responsable de tout. Et il est secondé par un second capitaine et un chef mécanicien.
La grosse responsabilité du second capitaine, c'est la cargaison et, qui va de pair, la stabilité du bateau. À bord du bateau, je suis chef mécanicien, c'est-à-dire que je suis responsable de tout ce qui est conduite, entretien, peinture, mécanique, tout ce qui est conduite, entretien du navire, en fait. Il y a un lieutenant essentiellement dédié à la navigation, puis il trace les routes, il s'occupe des corrections des cartes et des documents. C'est un poste qui est assez important. Il faut être prêt à pouvoir descendre à la machine à n'importe quelle heure du jour et de la nuit en cas de besoin. Il faut être disponible. Il ne faut pas dire « bon, j'ai fait mes 8 heures, terminé ». Ce n'est pas le but du travail. Quoi. Moi, ce que j'aime particulièrement dans cette manière de travailler, c'est que quand on est à bord, c'est 100% boulot. Et de la même manière, quand on est en vacances, c'est 100% vacances. Nous naviguons un mois pour un mois de congé. C'est-à-dire actuellement, sur ces bateaux-là, en gros, 2 mois à bord pour 2 mois à la maison. Donc voilà mon bureau, en fait, donc avec la petite partie bureau, un petit coin salon pour recevoir les collègues. Donc bah, comme vous voyez, c'est pas quelque chose qui manque de confort, on est bien installé. Et puis à côté, la cabine, comme vous allez pouvoir voir, on ne dort pas dans des hamacs. Un officier de marine marchande doit être rigoureux dans son travail, doit aussi aimer aller vers les autres et puis découvrir les autres. Et ça, à 20 ans, on ne le sent pas encore. C'est petit à petit qu'on se forge une personnalité maritime et puis qu'on découvre qu'on est apte à faire ce métier ou on ne l'est pas. Καλώς. Η κλίση είναι μηδενική. 214 δεξιά και 100 αριστερά. I served 10 years on cargo ships. I went all around the world. I met a lot of people. It was exciting. Then I decided that I had to move to the passenger ships to meet more people, because you are coming close to the people which are going to sail with you. You can see more exciting things with the cruise ships, because you visit the most beautiful and exciting places around the world. It's a very nice restaurant here. We offer a very good service and a very good food. Compared to 5-star hotels. Yeah. Trust me, I try to behave, but it's not so easy. So you cannot sail direct with the passenger ships. You need the experience which you get. You learn traveling around the world, and then when you move, you can move to the passenger ships, which is, let's say, the most important, is because you carry on passengers, and it's very important to have good experience to sail with. There is no cost for a human life. I mean, when you work, the work to express yourself, not to do the work because you have to, but because you like to do. So that's the big deal. If you don't like what you do, better don't do it, do something else, especially for this professional matter. Per me non è un lavoro, è una passione. Sono pagato per fare la cosa che mi piace di più al mondo. Anzi, certe volte ho anche un po' vergogna alla fine del mese quando mi danno lo stipendio. Certe volte mi dico, ma perché mi danno lo stipendio? Avere un uomo che fa un lavoro che non è comune, che è visto come un semieroe. Può sembrare molto difficile, visto dall'esterno, questa relazione un po' un giorno sì, un giorno no, quasi. Ma secondo me è molto bella perché non entra mai nella monotonia di tutti i giorni e quindi si vive sempre una nuova emozione, come il rientro, parte la prima settimana dove bisogna rimettere tutto in ordine, è un rinizio, quindi è una cosa che va sempre avanti, sempre, quasi sempre nuova. Quando torna poi racconta, racconta molto. Non abbiamo il problema di stare la sera a cena, non si sa cosa raccontarsi dopo aver parlato del lavoro, della giornata, che è sempre lo stesso, perché comunque è pieno di storie, di amici, di incontri, di paesaggi, foto. Questa foto fa vedere che a bordo non c'è solo la nave, ci occupiamo di tutto quello che c'è intorno alla vita. Questa
è un aperitivo, uno dei tanti aperitivi tutti insieme con la chitarra. Questa è bellissima perché c'era un francese, un olandese, un italiano e un belga, quindi tutte nazionalità diverse che per, con una chitarra è molto difficile perché per trovare la canzone da cantare. Questa nave era bloccata da un paio di giorni e ci ha chiesto di passarli di fronte qui sul naso per spaccare il ghiaccio per poterla far passare, partire, sbloccarla. La mia prima volta da sola è stata nel Baltico, col tramonto, era d'inverno, quindi c'era sole, luna, cielo, ci si sente maestri del mondo perché tutto sotto il tuo comando, tutto passa da te, ma contemporaneamente in mezzo a questo scenario del mare, il cielo, il sole, ci si sente piccoli, piccoli, piccoli. La première fois que j'ai dû manœuvrer en mer pour un autre, pour un bateau donc qui avait la priorité, j'ai appelé le commandant, je ne savais pas ce que je devais faire. J'ai dit, téléphone, commandant, un bateau, danger, qu'est-ce que je dois faire? Alors que bon, on apprend ça en théorie à l'école, hein, mais c'était tellement... Hein? Zoé, toi t'es le capitaine, hein? Évidemment, n'oublie pas, on est toujours là, hein? On intervient s'il y a un problème. Un, tu supervises tout ce qui se passe à la passerelle au niveau navigation. Deux, tu donnes les ordres de barre, les ordres de route, basés sur les informations venant de la carte et venant du radar. Je suis professeur à l'école de navigation Anvers depuis 3 ans à peu près. En anglais, les ordres de barre, s'il vous plaît. Starboard 5. J'ai choisi de faire ça parce que... ma femme était enceinte et comme marin, bon, c'est pas évident, on est éloigné de la maison et je voulais participer vraiment à toute la grossesse, l'accouchement et certainement les premières années de la vie de notre bébé. Mais 3 ans éloigné de la mer, on est marin et c'est pas possible. C'est vraiment très difficile de s'adapter à la vie à terre, en fait, hein, pour un marin. La liberté, en fait, qu'on a dans notre métier de marin me manque énormément. Il y a plein de gens qui disent « Oh oui, le romantisme de la navigation, les marins romantiques, c'est fini, ça... » C'est pas vrai, hein. Il suffit de regarder les yeux des étudiants qui viennent la première fois ici sur notre bateau. C'est plus qu'une découverte, hein. C'est vraiment... Ils arrivent où ils veulent aller. On course, 040. Thank you. Steady as she goes. Steady. Steady. Midships. Midships. Ja, vandaag is de eerste keer dat ik hier dus vaar. Midships. Ah, de eerste 5 minuten is even spannend, omdat je weet niet hoe dat de boot reageert, hoe dat alles werkt, waar alles staat. En dan na een tijdje ben je dat gewoon en dan is dat geen probleem meer. Dan is dat rustig aan, kalm blijven. Zoé, à la bouée 116, c'est cap au 300. La bouée 116, c'est laquelle? On course 275. La prochaine. Ouais. Ik heb dit beroep gekozen omdat het heeft verschillende facetten. Je ziet verschillende dingen. Ik heb altijd al van wetenschap gehouden, maar ook van talen. Ik hou ervan om nieuwe dingen te leren, maar liefst veel verschillende dingen. C'est dans les tripes en fait, hein. Je crois que... Enfin, moi, je considère vraiment comme un style de vie et pas comme un job, en fait. Parce que si on considère comme un job, on ne tient pas longtemps parce qu'il y a tellement... Il y a trop de... Enfin, il y a pas mal de sacrifices à faire. Et si on considère comme un style de vie, les sacrifices, on les fait et on est prêt à les faire et alors ça passe beaucoup mieux, quoi. Zoé? Ouais? Si le prochain cap est 230, la péniche est dans le chemin. Ouais, alors on va changer, hein. De 4-0, c'est mieux? On vit en milieu confiné. De 7-0. Et il faut accepter le caractère et le comportement de tout le monde. Et c'est ça que c'est quand même une école de vie. C'est pas simplement apprendre de la théorie ou la pratique. Il faut vraiment apprendre et prendre sur soi quand il y a des remarques ou quoi qui ne font pas plaisir. C'est le style de vie qui, à mon avis, me convient le mieux. C'est pour,
pour moi, c'est le plus beau métier au monde. Il n'y a rien de comparable. Et je suis fier de pouvoir dire aux gens, voilà, je suis à l'école de marine marchande. Et plus tard, je serai fier de dire, je suis marin, parce que je sais que c'est... Quand on compare tous les métiers dans le monde, marin, c'est quand même quelque chose d'unique et d'exceptionnel. De studenten die hier inschrijven, die weten effectief achteraf dat ze gaan varen. Dat ze praktische dingen gaan doen aan boord van een schip. Vergeleken met andere opleidingen, rechten of ingenieur, dat zijn eerder algemene dingen. Hier gaat men specifiek in de richting van de zeevaart. Daarom zijn onze studenten ook zeer gemotiveerd. Ik denk dat een recirculatie nog hier. Als dit te warm wordt, dan moet hem gekoeld worden hier, in deze omloop. Ho avuto l'ultimo esame il 27 giugno. I risultati ce l'avevo il 5 di luglio. Io i primi di giugno già avevo un lavoro e ne avevo rifiutati altri e continuavo a ricevere proposte. You have the opportunity to make a lot of money from the very first day. Which is very important, especially for young people, to get paid so good. Because on land takes a long time to make some good money. So you have the opportunity to make good money here. Of course, the good money doesn't mean that it's not so easy to make all this money. Eén keer kapitein, bon, de toekomst is niet meer dat men vaart tot met zijn pensioen. Dus dan moet er een oplossing gezocht worden om een carrière aan wal op te starten. Vroeger was dat minder goed geregeld. Nu worden de studenten daar al op voorbereid. Een carrière op zee geeft de mensen heel veel mogelijkheden. Het worden echte decision makers. En dat maakt dat je dat soort van mensen heel makkelijk terugvindt in raden van bestuur of in bedrijven aan de wal. Koopvaardij is verantwoordelijk voor 90% van de vervoerde goederen ter wereld. Ik bedoel, dat is een sector in volle expansie, want zolang de economie groeit, is er een groei aan transport. En zolang er een groei aan transport is, ja, heb je meer en meer zeevaart natuurlijk. U moet toch rekenen dat 40% van de wereldscheepvaart wordt gecontroleerd door Europese reders. Se dovessi dare un consiglio a qualcuno che non sa se fare o scienza economica o in marina, deve essere sicuro che gli piace il mondo, il mare, perché poi diventa, beh, forse adesso Antonella si arrabbierà, diventa una seconda moglie. Deve essere sicuro di volerlo fare e di venire, perché è la cosa più bella che esiste al mondo, è il lavoro più bello. Midships. Okay, Polaris, what's your destination, please? Yes, our destination is Djibouti, correct. Okay, what kind of ship are you over? Gas tanker. What position? Heading for pilot station is 308. 308, okay, thank you. Distance 1.5 miles. 1.5 miles, okay, thank you. Maar net is omdat we daar vluchtig is, de zeegang, ja. Dat die gedaan is. Er is een fishing vessel met die ship out. Yes, that's right. Starboard 20.